Mes hommages YouTube, on continue. Metroid Prime 1 sur Wii U, la version Wii, qui est le remaster de la version GameCube. Hein? Oui, non, c'est pas clair. Mais c'est pas clair, mais c'est pas grave. C'est pas clair, mais vous avez compris quand même. Allez hop! J'appuie sur A pour commencer. Oui. Vas-y, le jeu, charge. Ça marche plus. Allô? Oui, non, c'est bon. C'est bon. J'aurais dû passer tout ça en fait. Que t'aies pas tapé ça, YouTube, mais bon. 38%, on a pas trop avancé, hein. Les premiers pourcents étaient rapides, mais là. Ça ralentit. J'aime pas trop. Hein. L'héroïne Chocho. Ah mais c'est vrai, maintenant j'ai le... J'ai la grave suit. Donc voilà, on est là. Là, faut que j'aille là-bas. Hop. Il faut que je remonte Tada. C'est quoi ça? C'est rien. Hop. Ah non, faut que je redescende d'ailleurs. Et maintenant, je vais aller dans la mine de Frazon. Je vais essayer d'aller récupérer des trucs dans la mine de Frazon. Où les ennemis? Ah oui, ça va, c'est eux. Hop, après je change de viseur. Non. D'ailleurs c'est pas un viseur. Ah non, attendez. Attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Toi je te gèle. Toi je te gèle. Ensuite, paf. Merde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ah, je peux faire ça en fait. Tac. Mais pourquoi ça dégèle si vite là? Ouais, on va y aller comme ça, hein. Voilà. Plus simple. Ensuite, nous avons vu que nous pouvions grimper là-dessus. Merde, c'était pas là. C'était pas celui-là. C'était pas cet étage-là qu'il fallait prendre. Là, je peux pas y aller. L'est, donc c'est tout en bas. Enfin, c'est quasiment tout en bas en fait. Il faut que j'aille. Là, c'est juste en dessous de là où je me trouve. Et ça va être où? Voilà. Dans les mines de Frazon. On est d'accord. Et ben on y va. Le suspense a assez duré. Let's go. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Aïe, arrête de me toucher, toi.
ça je l'avais scanné je crois, ouais. Hop. Allez, let's go. Pas sûr que ce soit le meilleur endroit. Hein. Une de façon. Ça va être plein d'ennemis, plein de façons là. Pas sûr que ce soit quelque chose dont, dont j'ai vraiment envie. Hein. Alors qu'avons-nous ? Ah, c'est cet endroit-là, ça y est, je me rappelle. Là, je crois que je me fais attaquer direct. Il y a plein de pirates, il me semble. Non ? Ça m'étonne. Et est-ce que ça serait pas une sauvegarde là par hasard sur sur le côté, je crois. Mais pourquoi ça? Merci. Quand même. Bon. J'avais souvenir de me faire attaquer 12 000 fois ici. Vous venez d'obtenir l'accès à l'unité de sauvegarde, merci beaucoup. Là. Maintenant, il y a des méchants. Non ? On a toujours eu des méchants, c'est ça ? Sur la carte, ça m'indique qu'il y a des méchants. Le second commutateur a été déconnecté, ok. On est happy. Quoi ça? Champ de force est activé. Si je monte. Qu'est-ce que j'ai si je monte? Ah! Des pirates! Est-ce que ce serait pas des pirates plein de façons ça? Non. Un délire un peu débile lui. Ça c'est fait. Ça c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, ils m'ont fait peur pour rien. Qu'est-ce que... Comment j'y vais? Ah, peut-être par le trou que... Oui. Non ? Quoi non ? Ah, le mec est descendu par là, mais après ils ont refermé direct. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? J'ai du mal à comprendre.
Ouais, sur la carte, là, il n'y a rien qui s'affiche. Hein. Ok, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Ah, attendez, là. Ça y est, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, les grues sont fonctionnelles, mais elles ont besoin d'énergie. Proximité, utiliser une décharge électrique suffisamment puissante pour alimenter le conduit et activer la grue. Transfert des matériaux et des... terminé. Ok. Les mutations induites par le phason doivent être reportées sans délai à l'équipe scientifique. Les unités qui obtiendront d'intéressantes mutations seront doublement récompensées. En effet, leur rémunération et leur ration quotidienne seront augmentées. Commandement sélectionne en ce moment les troupes de défense et de combat. Alors c'est là où il y a... C'est ici en fait qu'il y a, le gros. Le gros qui me fait peur, là, il est dans le coin. Et ils indiquent que cette grue a été utilisée récemment. Elle est actuellement désactivée. Oh, ils étaient contents les chars? Bah évidemment qu'ils étaient contents les chars. Ils étaient très contents de me voir débarquer. Les commandes de la grue sont maintenant activées. Bon, on a tout cassé. On a tout cassé. Oh, où elle est la grue? Elle est là. Ah, regardez. Paf! Et donc, je sais pas si c'était là au début du stream, mais je parlais de mes petits soucis de webcam. Et voilà, je me suis fait enfin avoir sur AliExpress en achetant un hub USB 3 qui n'est en fait qu'un hub USB 2. Merci. Je me suis fait avoir comme un bleu. Pourquoi je peux pas démorpher là? Hop. Alors, petit combat ou pas petit combat? A priori pas combat. Combat derrière parce que là il y a un mec là. Ah non. Mais... Ça coupe pas mal. Le stream? Qu'est-ce qui coupe? Qu'est-ce qui coupe le son? Ah ah, le son il a l'air ok. Le stream? J'ai zéro perte réseau donc on fait un petit... La vidéo. Non, je fais sur mon retour. C'est sûrement chez toi. Hein. C'est sûrement chez toi. Moi, j'ai pas de perte réseau. Et puis. Et puis, c'est ok sur la capture, quoi. Donc. Essaye de faire un F5. Peut-être que. Peut-être que ça aidera.
Tiens, c'est quoi ce truc là, le truc dopé là? Pirate fantôme. Commando entraîné, équipé pour les opérations furtives, et qui a accès à des technologies de camouflage très avancées. Quantité d'énergie considérable, les obligeant à compter uniquement sur les armes moins contraignantes pendant le combat. Le système de détection performant. C'est bon les petits enfoirés. Vous êtes où? Alors faut que j'aille où? Ah, il y a une salle derrière. La fibre de Free. Enfin, toi t'es chez Free? Sans blaguer, t'es chez Free. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les pirates Phazon. Regardez. Bah. Ok. Unité à rayon à onde. Ce pirate de l'espace est doté de rayons à onde. Les pirates de l'espace ont percé le secret de votre arsenal. Vous parvenez parfaitement à reproduire certaines de vos armes, notamment le rayon à onde. Pendant en raison d'un défaut de fabrication, ces pirates sont eux-mêmes vulnérables à ce rayon. Mais que très puissant, la copie qu'ils ont mise au point est loin d'égaler l'arme originale conçue par les Chozo. Donc voilà, on va commencer à avoir des pirates qui ont des couleurs. Et il faut que je les tabasse avec l'arme à laquelle ils sont vulnérables. Ils ont mal écrit les oiseaux. Non, ça reste des choses. Les portes sont toutes vertes. L'arme biologique est programmée uniquement à laisser passer les pirates de l'espace. Je me rappelle d'un truc chelou dans le coin là. J'ai un souvenir de trucs qui me... Pourquoi je suis pas allé dans la porte en bas en fait, du coup. Du coup je suis en train de me demander pourquoi je suis pas allé en bas. Oh, vous croyez que Mister Oiseau, il vient... en fait c'est un chozo à l'origine. Ah mais non mais d'accord. Ah mais ouais d'accord, c'est une porte plasma derrière par contre. Donc il va falloir que je récupère le rayon plasma pour pouvoir passer. Ah c'est peut-être une fois qu'on a le plasma, hein. Les poulets sont les descendants des Chozo. Maybe. C'est vrai ça, on ne sait pas. Est-ce que les Chozo pondaient des œufs? Ha! Bon là on est ok. Hein, je passe par où? Ah! Non. Comment je fais-je?
qui est blanc là. Quoi? Samus se met en boule comme un œuf. C'est vrai. Ah, d'accord. Ah non, d'accord, je pouvais juste éclater ça, d'accord, ok. Des fois, hein. Ah, il y en avait un à côté. Il y en a encore un, il y en a encore un. Voilà. Mais ça. Je l'ai vu sur mon radar. Allez, barrez-vous, hein, les moches. Ça fait des cric cric. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Je crois qu'il est là, le gros qui me fait peur. Regardez. Des pirates énormes. Donc les équipes d'élite soient équipées de l'armement suivant. Canon de plasma monté sur épaule. Un champ de répulsion. Un projecteur à onde sismique. Un d'énergie et des baïonnettes rétractables. Ouais, bien. Référence, un nom de code, pirate d'élite alpha. Ce réservoir de stase a été consolidé par un alliage de bandésium. Alors, décodage des données. Le premier programme Hélice consistant à des exploits sur les embryons de pirates de l'espace s'est soldé par un fiasco. L'exposition aux phasons a provoqué une dégénérescence cérébraux et une augmentation démesurée de la masse musculaire. Qu'un pirate d'élite n'a atteint l'âge adulte, hein. Tous souffraient de crises psychotiques à l'adolescence et tous étaient animés par une envie irrépressible. Ça fait super longtemps en fait du coup qu'ils y sont quoi. L'équipe de recherche Sclair a exposé des parasites au vertigo, nom de code utilisé pour désigner une souche spéciale de phasons. Succès fut total. Les chercheurs ont aussi procédé à la fusion de l'ADN des pirates de l'espace avec le phason vertigo. Les résultats sont probants puisque le dernier lot de pirates d'élite vient d'atteindre l'âge adulte et semble prêt pour la phase d'entraînement. Super. Hein. Super. Hein. Le système de plateforme est activé. Vous imaginez un vrai labo? Comme ça? Gaulé comme ça en fait. Ah regardez, il y a connard phason. C'est pas ça que je voulais faire. Bah voilà, un de moins. Un bon pirate de l'espace est un pirate de l'espace mort. Zut, il fait le tour. Pourquoi ça? Oh! Arrête, hein! Non mais oh! C'est quoi là-bas? Ce rayon industriel à impulsion est connecté, le mode de tir automatique est activé. C'est pas ça que je voulais voir. Moi je voulais voir le pirate jaune là. J'ai réussi à l'activer de super loin, c'est rigolo. Système de plateforme activated.
Ah, tous les derniers, Samus nous a suivi jusqu'à Talon 4. Le chasseur est parmi nous. Les tirs ont reçu l'ordre de le neutraliser. Les coups fatals sont autorisés. Toute trace d'arène doit être reportée sans délai au commandant de la sécurité. Ouais, je les ai vénères a priori. Ok. Bon, c'est pas ça que je veux faire, moi. Voilà, regardez. Rayon à puissance. Il est doté d'un rayon de puissance. Percer le secret. Puis, petit rayon jaune, quoi. Là, on est bien, on est ok. On a tout scanné. C'est cool. On va pouvoir aller lui casser la gueule. On va y arriver d'ici, par exemple. Voilà. Bah voilà, ça s'est fait. Hein. Ah, enfin, je sais, je suis pas courageux, mais... Et ça marche. Hein. No courage, mais... Tant que ça marche. Regardez, il était là, le pauvre. Ah oui, le canon. Non, c'est rien, destiné au forage. Ah, t'as toutes les unités. Attendez, rendez-vous immédiatement à vos postes de combat. Acte de trahison, trahison est sanctionné par la mort. Déconne pas, hein. L'intégrité de cette surface est de 13%, elle s'effondrera. 21, 42% en présence d'une signature thermique a été détectée. Ah oui, donc là faut que je casse, là faut que je casse tout. Aïe, aïe, me rappelle. 23. 44%. Voilà. Voilà, du coup faut que je pète tous les murs. Et comment péter les murs? Évidemment. Les pirates de l'espace, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen? Ouais. Non mais comment un moment? Ouais, ça j'ai lu. Ça j'ai lu. Et de 1. Et on va tous se les faire. Hop, hop, et je valide. Donc là, nous avons que dalle. Ce qui arrive aussi. Rien non plus. Qu'avons-nous ? Il me semble qu'il y avait un truc, une réserve d'énergie quelque part là. Un truc dans le genre. Il n'y avait pas que la porte. Hein.
Peut-être que finalement il y avait que ça. Il y en a encore. Il y en a encore un à casser quoi. Ah, vous voyez? J'avais raison. Une réserve de missiles. Non, c'est pas ça du tout. Ah. Ah. Accès au centre de recherche. Oh, ça va pas me plaire. Oh, je vous promets, ça va pas me plaire. Alors, il y a du... Ah oui, d'accord. Ouais, elle a bien tout calé, quoi. Bah, c'est noté. Ah, au centre de la pièce, là, hein, de plusieurs sections pivotantes. La rotation de ces sections permet de modifier la direction des monorails magnétiques, ainsi vous avez l'accès aux différentes zones. Alors là, on peut faire ça, 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 et on monte là. Il y a peut-être un truc là, non? Ah d'accord, on arrive là. On arrive là, on est bloqué. J'espère qu'on voit mieux quand on est dedans. J'espère qu'on a une meilleure idée. Ouais. Oui. J'aurais pu rester en boule morphine d'ailleurs. Reblacky. Alors. Ok. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que je vais avoir un endroit? Faut que je redescende, c'est ça? Là, j'ai mis le truc, là, il est bien, là. Bon, ça, danger. Que je redescende. A priori. On va bien voir. Ça y est, il y a des puzzles. Ça y est, il y a des puzzles, je suis paumé.
Hop, non. Hop, non. A priori, non. J'ai fait un tour. C'est pas là. Je vais essayer ça. On va essayer l'autre rail. Voilà, c'est celui-là. Ah, ah. Non, c'est pas là. Alors. Encore un coup. Peut-être là. Let's try. Il est là. Ah, non mais viens là. Là. Non mais non, non mais arrête la caméra. Merci. Ah oui. Regardez. Il y a un méchant. Oui. Bon, il y avait un méchant. Et il n'y a plus. Ah zut. Je suis coincé. Bon bah on va essayer d'aller plus loin. Hein. Ah je me gourre à chaque fois. Hein. Ok. Vous venez d'obtenir l'accès au niveau 2 des mines de Phazon. L'ascenseur est opérationnel. J'ai pas envie. Je vous promets, j'ai pas envie. Il va y avoir des gros méchants. Ils vont me casser ma gueule. Ah, il y a des caisses explosives maintenant. Ah, super. Ok. Il était sensible à quoi lui? Parce que j'ai déglingué avec rien là. Comment ça me nom? Mais si, si, si. Si, si, je me rappelle, il y a le grand là. Oh, c'est lui. Oh, eh. Pause pipi. Pause pipi avant que je me fasse pipi dessus à cause du grand méchant. Voilà. Je reviens dans 2 minutes. Tout de suite.
Hop. Re. Hop. Alors. Le combat que je redoute. J'ai le souvenir d'un combat super relou en fait. Et ça se trouve, ça va bien se passer. En fait. Cargaison de canon plasma est en route vers Talon 4. Ce canon que nous avons emprunté aux marines de l'étoile 1 a été laissé à l'abandon à leur entrepôt. Les pirates d'élite, en revanche, sauront faire bon usage. Pirates d'élite, les pirates d'élite sont forts et résistants et du fait de leur excellent arsenal. Les pirates d'élite ont assimilé d'importantes doses de phason. Jadis de simples pirates de l'espace, ces créatures sont très redoutables. Le système d'absorption intégré de l'organisme leur permet de canaliser l'énergie que libèrent les rayons. Cette capacité les rend cependant particulièrement vulnérables aux armes lourdes. Très bien armé, le pirate de l'espace élite maîtrise aussi bien le combat rapproché que le combat à distance. Sa taille importante peut devenir un handicap car elle freine ses déplacements, occasion à l'adversaire de s'enfuir ou de multiplier les attaques rapides. Champ de force est activé. Ah, regardez, ça y est. Ça y est. Ça y est, je le savais. Ah non, là il est bleu. Ah non, je sais plus. On va tenter un truc hein. On dit les armes lourdes, c'est pas son truc. Merde. Ah, regardez. Ça marche plus. Ah mais regardez. Voilà. Surtension détectée dans la région minière. C'est juste à côté, j'arrive, c'est bon. Ça y est, y a le jeu qui m'engueule encore quoi. Ah bah oui, les pirates. Il est où? C'est
Ah, ça y est, j'ai les blancs. Ok. Bon bah les mêmes pirates que d'habitude hein, mais ceux-là ils aiment pas le, ils aiment pas la glace. Il est où le dernier? Ce dernier, il est où? Il est là? Et il débarque. Merde, toujours un blanc aussi. Voilà. Ça, j'ai le temps de tout analyser tranquillou. Faire ma petite popote. Une mixture nutritive réservée aux pirates est interdite. Tout manquement à devoir sera puni d'une réduction de 50% des rations quotidiennes pour une période de 10 cycles. Déconne pas, hein. Niveau de sécurité taux doit rester activé. Les transferts sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. La bioforme Samusaran continue à s'attaquer à nos infrastructures sur Talon 4. Nos zones ne sont plus sécurisées. Les pertes en personnel deviennent alarmantes. Le commandement fait une prime conséquente pour la capture ou l'exécution d'Aran. Adressez-vous à vos supérieurs pour obtenir de plus amples informations. Hop. L'équipe scientifique essaie actuellement de reproduire l'arsenal de Samusaran en basant sur les données acquises lors des combats opposant Samus à nos forces armées. Progressons lentement mais sûrement. Le commandement souhaiterait exterminer Aran au moyen de ses propres armes. Donc les prototypes seront prêts d'ici 3 cycles, costume de puissance au certificateur. Daran, c'est un véritable mystère, en particulier sa fonction boule morphing, effectivement, hein, parce que il y a une personne adulte, a priori assez grande, qui se retrouve compressée dans une boule. Pas sûr que... Alors ça peut marcher dans un sens. Je pense que actuellement, aujourd'hui, on a la technologie pour que ça marche dans un sens. Par contre, l'autre sens, c'est compliqué. Donc t'as upgradé ton entreprise de PC. Exactement, oui maintenant ça y est, on est à la conquête de l'espace. Bon, moi j'ai joué 4 sujets, ont été broyés en tentant d'activer les prototypes de boule morphing, voilà. Les chercheurs ont préféré suspendre les tests. C'est assez judicieux, je vous l'accorde. Il contient des principes nutritifs à base de phason, traitement des rations d'élite est en cours. Et mange du phason. Donc ça, je l'ai lu. Désolé, j'étais en train en tronc de lire le roleplay sur le Discord des one sheet. Des one sheet du jeu de rôle. Toujours les réparations de team, le nom de ta boîte. Non, là c'est le cassage de gueule de Samus. Tous nos recherches, nous n'avons pas encore trouvé le moyen d'impacter les cratères d'impact. C'est un temps que je bouquine le protège, sont bien pénétrables. Les tentatives de construction d'un tunnel de connexion n'aboutissent à rien. Cité d'une section est d'autant plus frustrante que nous avons récemment détecté des signes de vie émanant des profondeurs du cratère. L'analyse des données indique qu'il s'agit d'une énorme cratère en gestation, puisant d'importantes quantités de phason dans le noyau d'énergie qui se trouve au cœur du cratère. C'est rassurant. Il est donc important urgent que nous trouvions une ouverture, car l'accès au cratère nous permettrait non seulement de poser de vastes quantités de phasons, mais aussi de capturer cette mystérieuse créature. La sécurité de l'alerte après la chute de Zebes, un danger identifié, c'est de la forme biologique Samus Aran, communément appelé le chasseur. Une idée femelle, armée de pieds en cap, extrêmement dangereux. Portant une armure à structure complexe à laquelle sont intégrés des rayons et des explosifs très puissants. Toutes les troupes ont reçu l'ordre de l'éliminer, si possible en essayant de préserver son armure et ses armes. Plus considérable, on récompensera la troupe qui livrera Aran au commandement morte ou vive.
Eh ben, ils sont pas très sympas. Hein. C'est pas de l'écriture inclusive. Bah si, justement, ils disent la forme biologique. Ils disent la forme biologique Samus Aran. Alors, excuse-moi, mais ça, c'est inclusif. Il y a eu un heal. Ouais, c'est vrai. Et il y a eu un femelle aussi. L'évaluation des canons de plasma est terminée. Ces armes sont totalement opérationnelles, mais elles présentent un défaut. Leur signature thermique est particulièrement élevée en raison de la chaleur intense qui se dégage de leur bouclier de protection. Si l'ennemi utilise des viseurs performants, il aura de mal à les détecter. Les systèmes informatiques sont compromis. La bioforme Samus Aran s'est infiltrée dans nos systèmes. Le chasseur peut désormais accéder à nos données et contourner la plupart de nos systèmes de sécurité. Utiliser le système de verrouillage manuel autant que possible. L'intégration des pirates d'élite aux forces de sécurité est accordée. Préparez... Heureusement, ils sont nuls en fabrication d'armes. Ils sont un peu nuls, tout court. Exposition supplémentaire aux phasons risque de rendre la situation critique. Bon, il y a les métroïdes qui essaient de casser la gueule de tout le monde. Le chasseur utilise la technologie boule morphing pour pénétrer dans les infrastructures et positionner les capteurs sur les signatures électromagnétiques de la boule morphing. Ah, ils vont essayer de me griller quand je suis en boule morph, quoi. Ouais. Y'a personne qui me tombe sur la tronche. Souvent, c'est là que tout le monde me tombe sur la tronche. Hein. Mes surveillants sont de nouveau connectés. Vont échapper au capteur du croiseur de guerre immondaine. Ah, bref, hein. Quoi? Le crash de notre frégate a été réparé. Nous pouvons maintenant concentrer tous nos efforts sur le chasseur. Ce matin, un lapin. Le remplacement des portes se poursuit. Toutes les portes en acier seront remplacées par des portes en cordite ou bindésium. Passe de 2 décacycles. Nous poursuivons les fouilles sur ces ruines maudites ainsi que dans le champ de Chozo situé à proximité. Nous sommes maintenant convaincus qu'il existe une relation entre le champ de confinement qui bloque le cratère d'impact, les artefacts étranges qui sont associés au temple. Mais ces reliques sont introuvables et les symboles qui ornent les murs des ruines sont incompréhensibles. Le commandement s'impatiente. Nous devons redoubler nos efforts pour résoudre cette énigme au plus vite. Les troupes radioscopiques ont reçu l'ordre de ratisser le secteur et d'informer immédiatement leurs supérieurs en cas d'anomalie architecturale. Augmenter de 10% le taux de phason présent dans la ration des pirates d'élite. Vous n'avez pas assez, donc ils sont en train de les doper, quoi. Les rejets éventuels sont à signaler sans délai. Bon, incidents sont survenus dans les ruines Chozo. Plusieurs membres de notre personnel ont été attaqués par des fantômes Chozo. La majorité a succombé à leurs attaques. Survivants parlent d'attaques éclair, d'un face-à-face très bref avec l'ennemi, puis d'un néant suivi d'une nouvelle série d'attaques foudroyantes. Scientifique pense que cette violence est une sorte de protestation aux efforts que nous avons entrepris pour retrouver les artefacts et reliques Chozo. Curieusement, ces entités peuvent interagir avec le monde réel et elles semblent vouloir protéger leur patrimoine, même s'il est difficile de détruire les fantômes, leur feront payer leur arrogance. Je comprends rien de ce que tu as. Hein, on dirait Castex qui parle. Je comprends. Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas l'accent. Et si je te dis que moi non plus je comprends pas ce que je lis, est-ce que ça te rassure ou pas? Oh là là, mais champ de force désactivé. Bon, hop, je vais tout lire. Culture de champignons sur le champ de phason se poursuit concernant l'alimentation des pirates d'élite. Le remplacement du décatritical, une substance fongique imbibée de phason a été approuvé. Ok, donc il mange du phason. Qui a été ordonné le déploiement de pirates d'élite dans les zones de quarantaine des métroïdes. Le nombre de victimes parmi les unités pirates déployées dans ces zones est inacceptable. Je me dis que tu fais belle illusion. La reconfiguration des drones de sécurité a été autorisée, déployant la nouvelle génération de drones dans les zones critiques. Le champ de force est désactivé. Ah, ils vont me retomber dessus.
Là, sommes de nouveau dans la passe. Nous ne pourrons jamais en parler d'un artefact Chozo si nous ne parvenons pas à décoder les messages gravés sur les statues de ce maudit temple. Nos bases de données terminologiques sont inutiles. Les linguistes n'ont que de vagues théories sur la question. Cependant, une hypothèse sans fondée, découverte des artefacts, requiert des objets spirituellement liés à la civilisation Chozo. Des objets, notre quête sera vaine. Le commandement perd patience. Il faudra reproduire ses résultats au plus vite. Ils sont paumés, eux. Comment allez-vous ? Tout en tant que vous êtes. Oh, ça va. Toujours pas en possession des artefacts. Et on pense avoir résolu le mystère à leur fonction. Chaque artefact semble être associé à une statue du temple. Une section du complexe mécanisme de verrouillage. Nous pensons qu'il existe cependant une statue que d'artefacts. Ainsi, lorsque nous aurons retrouvé toutes les 12 artefacts, nous les rapportons ici. Nous verrons aux statues pour enfin découvrir ce verrou complexe. Nous serons bientôt les maîtres du cratère d'impact. Tout ce qu'il contient. Oh les mecs. Les capitalistes, hein. Début à la fin. Nous venons d'obtenir les résultats des études sur l'espèce Chozo, principalement probablement disparu. Elle était autrefois le bastion de l'immense empire Chozo. Le météorite qui est venu s'abattre sur cette planète a anéanti la civilisation Chozo. Cependant, les vestiges de leur société subsistent. Nous étudions actuellement ces reliques dans l'espoir d'en percer les secrets. Nous y trouverons tout ce qui nous semble futile. Dans quelques temps, nous aurons fini d'examiner ces décombres et nous pourrons alors débarrasser la planète de ces horribles ruines. Car après tout, il est grand temps que les morts cèdent à la place aux vivants. Ouais, effectivement, ça ressemble à un discours de Jean Castex. Hein. Là-dessus, je te l'accorde. Hein. Ah ouais, alors il y avait une salle en bas, il y a une salle en haut. Mais je vais plutôt aller en bas. Peut-être une salle de sauvegarde ou un truc dans le genre en bas. Eh bien, pas du tout. Tunnel de maintenance. Parce que je sais pas où je vais. Un éboulement après. Ah, ok. Nouvelle règle. Nouvelle règle. Tout le monde est confiné. Sauf si vous avez une attestation que vous signez vous-même pour dire que vous n'êtes pas confiné. Putain, mais c'est une idée de génie, hein. Quel gouvernement de merde. Désolé. Désolé, mais c'est vrai. Ok, trois petits tours et puis s'en vont. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Alors, je vais où après? D'accord, je vais par là. C'est quoi? Mais non, mais j'avais changé. Ah non, c'est pas ça. Non, je me suis gouré. Non, mais arrête de me taper. Ah, les autres là, c'est... Et bah bisous si vous allez manger. Il y en a encore un en dessous. Ah oui. Oh mais c'est chiant.
Voilà. Hop, comme ça je peux lire mes petits trucs. Sans la musique qui fait peur. Je te les rends. Merci Otto pour le raid. Merci beaucoup. Les Metroid ne semblent pas réagir. On est toujours sur Metroid Prime. On avance. On a eu notre premier pirate de l'espace d'élite. Qui sont très très grands. Et voilà. J'ai eu peur. Et j'ai eu peur mais je l'ai tué. Je suis content. L'accès au monorail, ok. Comment ça s'est passé ton Kerbal? Est-ce que tu as exploré la galaxie? Est-ce que tu as récupéré des ressources? Est-ce que tu es riche? Metroid chasseur est doté de tentacules absorbants. Le Metroid qui peut utiliser des techniques de combat rapprochées. Va me chercher de la Boostify pour apprécier ce stream à sa pleine valeur. Et tu vas chercher, c'est-à-dire tu vas chercher dans ta cuisine ou tu vas chercher genre dehors? Parce que là, il n'est plus trop l'heure. D'ailleurs, tu fais partie des départements confinés, toi, ou pas? La hausse des niveaux d'agressivité a été notée chez les dernières unités de pirates d'élite. Par mandat d'ailleurs, les réactions de phason doivent être augmentées. Ah oui, j'ai fait beaucoup de science. Cette belle lune Minimus. Les Metroid s'accélèrent en dehors des machins. Oui, j'ai lu que la moitié. Oui. Je cherche des volontaires pour tester des trucs qui ne fonctionnent pas. La boule morphing, par exemple, ça n'a pas réussi. Hein. Je vous déconseille. Je sais pas du tout si je suis dans un département confiné, je crois pas. Ah, il y en a encore un. Je les aime pas, ils me font peur. Consulter tes vivres, à tout de suite. Alors, une chose ont été décrétées zone interdite. Hop, les hypothèses, équipe scientifique utilise un dispositif de camouflage très complexe, sophistiqué, impossible de déterminer son placement. Arrêter Aran ou l'éliminer, aucun échec ne sera toléré. Ah, oui, en fait, notre vaisseau, il est. Ils peuvent pas le trouver. Les brèches sans la sécurité ont été détectées dans de nombreuses zones. Utilisation non autorisée de ressources continues. Pensons que ces ressources sont utilisées par le chasseur. Renforcer immédiatement la surveillance des sites. Attention parce qu'après les sites vont se venger. J'en avoir deux? Ah non, pas deux hein. Champ de force est désactivé. Je vais tout lire d'ici, hein. Renforcer les patrouilles. Et non, mais je veux l'autre à côté, là. Oh, là. Là. Il veut pas. Oh, le jeu, il veut pas. Bon. Alors, qu'avons-nous ici? Un truc qui fait des voum-voum. Je scanne tout. Ça. Qui c'est ce truc là? Ah, le truc cryogénique est cassé. Ça veut dire qu'il va sortir de son machin quoi. En gros. Ah, quoique, peut-être pas. J'avance dans la pièce, il se passe rien. Un truc là?
Décollage de toutes les troupes aériennes. Sigma 4, ok. Oh le lore. Résultats sont simulations de combat. Samus Aran sont très encourageantes. Cité d'élite enregistre des taux de réussite de 74% lors de leurs entraînements contre Aran. Le haut commandement est ravi, mais souhaite une augmentation de ce taux d'ici la fin du projet. C'est rigolo parce qu'en fait ils s'entraînent mais marche mal. Les ennemis reculeront devant le pouvoir de nos forces d'élite. Formellement interdit de nourrir les métroïdes. On se croit aux zoos. Ne nourrissez pas les animaux. Alors, l'attirance débridée que le pirate d'élite Upsilon montre pour le phason a encouragé nos équipes de recherche à augmenter les quantités bien au-delà des doses prescrites. Les résultats sont encourageants. Son régime à base de phason a considérablement augmenté sa masse musculaire, ayant conservé toutes ses facultés mentales, manie les armes d'élite avec... j'ai pas lu. y compris le lance-flamme plasma et la peau de caméléon destinée au camouflage. De plus, nous avons constaté que le processus de cicatrisation prodigieusement rapide chez cette créature. Elle est blessée, elle recherche aussitôt une source de phason, elle recouvre ses lésions de cette substance cicatrisante, sujet qui porte le nom de code pirate Omega et susceptible de devenir la clé de voûte de notre nouvelle armée. Toutefois, son attirance effrénée pour le phason pourrait devenir problématique. C'est un junkie. C'est un gros junkie au phason. Non, c'est pas ce truc là que je veux, c'est ça. Alors, accès à la dynamo. Ah. Ok. Plus d'énergie. Ok, le panneau de commande qui marche mal. Le truc machin là. J'ai accès à la dynamo. Eh bien, je suis ravi. L'équipe de maintenance de dynamo ne répond pas aux appels. Forcément, j'ai buté tout le monde. Traitement du phason surcharge la dynamo bien au-delà des seuils de sécurité, bien que la conversion en énergie géothermique soulage les systèmes d'évacuation. Cette amélioration reste insuffisante. L'utilisation prolongée de tels niveaux d'énergie pourrait provoquer une panne. Ah! Qu'est-ce qu'elle a ? Sécuriser la zone pour déverrouiller cette sorte de porte là. Il doit être déconnecté immédiatement. Ils ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Non, c'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce merdier?
Non, j'ai pas débloqué les power bombs encore. Mais là, enfin justement, ça va être. C'est le but de ce truc là, je pense. Ça y est, je l'ai eu. Voilà. Là, je pense que je vais débloquer là. J'ai rien compris par contre au combat là que je viens de faire. J'ai absolument rien compris. Hein. Je sais pas comment je m'en suis sorti. Hein. La structure des éboulis. Oh, les animaux domestiques semblent être très vulnérables à la folie phase 1 en présence de faits en danger pour le personnel. Vous devez vous débarrasser immédiatement de tous vos ronchats et holbaps. Et manquant à vos devoirs, vous serez possible d'une suppression de salaire ainsi que d'une émission de votre ration, évidemment, comme d'habitude. Le personnel chargé de réparer la dynamo a été évacué suite à des crises de démence liées au phason. Ah. Ah, c'est rassurant, hein. Alors, ah, super, hein. Génial. Un labyrinthe. C'est exactement la phase qu'on avait envie de voir. Hein ? Quoi ? Ah non, il y a une... Pourquoi une flaque ? Voilà. Coucou Claveline! Comment vas-tu? Tu vois, je ne t'avais pas menti. Je t'ai dit que j'allais restreamer. Elle est tout cassée? J'ai tout cassé. La... Pour poser une bombe de puissance, activer le mode bull morphing, puis appuyer sur moins. Enfin, bas. Explosif beaucoup plus dévastateur que la bombe bull morphing. Ben voilà. Alors. J'ai deux choix. Bada bada. Fatigué toi. Tu vois, je t'ai cru. Bah un peu claqué aussi, mais... Mais ça va. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi? Ah, sauvegarde. Magnifique. Quoi de bon dans ton assiette auto? C'est vrai ça auto? Quoi de bon dans ton assiette auto? Hop, sauvegarde. Ça c'est bien. Maki et Nigiri. Que j'aime pas ces trucs. Merde. Bon bah une... Un missile dans le vent. Merci. La créature n'a pas survécu. La pauvre.
pas ce que c'était, mais même chose. Toi, le défense désactivé. Ah, pourquoi ça affiche, pourquoi ça affiche Bwimps? Ça me fait peur. Ça me fait peur ce jeu. Tu peux partager, faire le plateau, que je puisse manger dans mon lit? Non. Wouah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ah mais non, il y a des... hein? Il y a des Metroids partout. Allez, venez par là. Si vous me capturez ou si vous me tuez, n'oubliez pas, vous avez plus de rations. Partie de chasse, la cible de la bioforme Samus Aran, également identifiée comme le chasseur. On dira ce qu'on veut, mais dans le futur, on a des ordinateurs super résistants quand même. Hein. Faire péter on peut faire péter un explosif à côté d'un PC, c'est ok. L'alimentation des métroïdes, la ration synthétique ont été remplacées par des sources d'énergie biologique. Ah il file des animaux. Introduction du phason, les cultures fongiques locales a commencé. Ration viable et bon marché pour toutes les unités améliorées au phason sur talon 4. Un programme de production de masse vient d'être approuvé. Tu montrais qu'il y a un taux d'agressivité moindre entre les pirates d'élite et les métroïdes irradiés. Ah, ils sont copains. Vas-y, apparition d'une sorte de symbiose entre les deux espèces. Enfin, les métroïdes se font copain-copain avec les... avec les... les pirates in shape. Ouais, si vous avez la référence. Ah, c'est exactement ce à quoi je parle, je pense. Les niveaux de traitement des liquides de tonicité fongique sont normaux. Avertissement, champ de force est activé, la zone de confinement des métroïdes est ouverte. Ah, j'ai eu une bonne idée. Hein. Tout. Ils m'ont balancé deux métroïdes et puis puis roule quoi. Ça me va. Hein. Easy peasy. On nous a rappelé tout à l'heure dans un journal là qu'il ne fallait pas nourrir les métroïdes. Hein. Attends, ne mettez pas vos doigts dans les métroïdes. Vous risquez de vous faire pomper toute votre votre santé très fort. Partissez immédiatement, le centre des opérations, cas de dysfonctionnement dans les champs de force. Et ne jamais... Voilà. Il y en a un qui a fait un tag. Quelqu'un qui a fait un tag. Qu'est-ce que c'est? Et les gros champis. Forte présence spectrale sur Talon. Ah oh bah dis donc, un endroit où je suis jamais allé. C'est fou ça. Je peux monter sur les gros champis là. Ouais.
Je peux monter sur les gros champix. Là-haut, je peux pas y aller. Je peux traverser ou pas, là? Ouais, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je suis où? La zone de quarantaine. C'est au confinement. Oh non, pas le confinement. Hein. Arrêtez avec ça. Hein. Bon, bah, je vais y aller, hein, mais. Je vais crever. Hein. Ah, non, non. Ça marche pas. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, j'y arrive pas, c'est sûr. Il y a un truc que j'ai pas vu ou... Otto ? Otto, il y a un truc que j'ai pas vu ou pas ? C'est juste que je peux pas encore y aller. Je crois que tu peux pas encore. Ah, ça fait chier. Je suis venu jusqu'ici pour rien, quoi. Ah ouais. Un de moins. Loupède. On va re-sauvegarder. Et on va refaire demi-tour. Attends. Je peux pas remonter, hein? Si? Ah, il y a peut-être quelque chose là. Oui. Il y avait un tout petit espace entre les deux. Voilà. Allez, la 12e fois c'est la bonne. Hein. C'est risqué. Le dernier saut là, faire un seul jump, c'était risqué. J'aurais dû en faire un double. Petite musique là.
Ah, là dans la prochaine salle, je vais essayer d'aller à gauche. Ah merde. Ah d'accord, ça le bute pas. Ça ne le tue pas, d'accord. Attendez, est-ce que ça je l'ai scanné? Ah j'ai tout scanné hein. Oui, lui il a été scannerisé, tout ça, un peu de poète, ouais, hop. Ah, c'est celui, voilà, c'est celui qui était dans le truc. Pas bien fermé. Bah oui, je peux y aller maintenant en face là. Parce que maintenant, pouf, les bombes. Et bim. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. La carte. Pop, pop, pop. Ok. Oh là, mais oh là, ah. Oh là. C'est beau, mais c'est grand. Hein. Là, on a tout ça, là, c'est énorme. C'est énorme. Je suis où, moi, là? Je sais plus où je suis. Attendez, je suis où? Je suis là. Donc. Je dois ressortir. Ça, les conduits. Tunnel de maintenance. Ah, c'est lui qui était bloché, qui était bouché. Ça. Le tunnel de maintenance, il était bouché. Donc, il faut que je le débouche. Il faut vraiment pas d'exception. Si vous êtes vilain, pas. En fait, c'est vraiment ça. C'est si vous êtes vilain, pas de bouffe. Hein. Pas de Kinder Bueno. Je croyais qu'on jouait pas à Mario ce soir. Fonctionne la puissance lorsqu'il sème d'Aesra. Hein? Est-ce que je les ai scannés les petits? Oui.
Ah. J'ai compris. Et en plus j'ai récupéré un truc trop bien, trop bien. De l'énergie. Ah voilà. Un petit truc d'énergie en plus. On ne dit pas non. J'y suis déjà allé en face, ok. Dynamo. Mais non, je suis revenu sur mes pas. Et quelle naze. Ah oui, d'accord, ouais, voilà. Que je peux faire un tour. Non, on peut pas. Hop là. Les vlaves. Les ninjas là. Regardez-le, regardez-le lui. Eh, il est marrant lui. Regardez. Pas très solide ces ninjas. Ah bah oui, bah c'est dit de toute façon. Hein. C'est dit dans le truc. Ils le disent. Bah ils disent du coup, vu qu'ils sont ninjas, ils ont du matos de merde. Parce que être ninja, ça leur bouffe trop de ressources. Le tunnel en bas. Ah, il est bien, non il courait. En fait il avait un tapis de course, on a pas vu, on a mal vu en fait, mais il avait un tapis de course. Ça c'est fait.
Il est où l'autre? Il y en a un autre. Il en reste un. Il a regardé. Non? Ah non, c'est une caméra, d'accord. Ah, vas-y. Bouge pas, merci. Hop, arrive. Alors, où c'est que nous sommes? On voit l'extérieur déjà. Centre de traitement du phason. En bas, il faut le plasma, c'est ça? Ouais. Là, ça va me permettre de remonter quelque part. Je commence à tourner en rond dans le lit. Ça présage d'une bonne nuit qui s'annonce, tiens. Ah. Ah. Effectivement, ça sonne pas ouf, dit comme ça. Ok. Ok, ça ne me sert à rien. Faut que je trouve quelque chose. Sûrement que j'active quelque chose, quelque part. Tiens. Charge de bombe de puissance. Quoi? Oh, ça m'a touché. Là, j'ai un petit rail. Je vais me faire un petit rail. Et ça me permet juste de remonter là où j'étais. Qu'est-ce que... Ah bah non, là-bas, y a, c'est une plateforme, ça. Oh là là. Quel aveugle. J'ai pas vu qu'il y avait une plateforme, là-bas. Ah, ça y est. Ça y est, le jeu qui me dit que je suis nul. Ça y est. Là, je vais regarder, parce que... Centre de traitement de Bernard Minerais. Voilà, regardez ça. Hop. T'as pas un petit mur éclaté ça, non?
Non, non plus. Ok. C'est quoi qui me tabasse? Aïe! Ah, il est là. Vu? Ok. Il y a la plateforme qui va venir. Ok. Ah ouf, je me suis cogné sur le plafond là, c'était pas bien. Hein. Ah, le grappin, bien évidemment. Que nous n'avons pas. L'accès au secteur des cavernes Magmor. Pouet. Hop, et ça jusqu'à nous. Ça me sert de scanner. Ah si. Oh là là. Faut vraiment scanner les trucs plusieurs fois. Enfin, tout, mais dans les deux sens. Enfin, c'est vraiment chelou. Hein. Ça y est. La petite musique revient. Pouet. Je peux pas voir le truc que le jeu t'a dit. Bah si je devrais, mais je sais pas par où je passe en fait. Felindra. Puis il est quelle heure? Je vais peut-être m'arrêter là pour Metroid aujourd'hui. Ouais, 20h20, ouais non je commence à voir la dalle. Je vais aller à l'unité de sauvegarde là et puis on sera bon quoi. Ouais non, j'ai pas envie de les combattre. Regardez, hop. Ah mais si, parce que là, dans le... Oui, si, finalement, je vais les combattre. Merde. Aïe. Bon, je prends. Cher. Voilà, et je pense qu'en bas là, je vais pouvoir faire le truc maintenant, non? Maintenant que j'ai... J'ai rien du tout en fait. La porte est verrouillée. Hein? Ah! Attendez, j'aurais vraiment pas réfléchi à ce truc là.
J'ai été un peu naze sur ce coup-là, non? J'avais le truc devant moi depuis le début. La porte du canal a été ouverte, la lave a été refroidie. Vite. C'est ça, ouais. Il me semble qu'il y a du temps là. Il me semble qu'ils sont en temps limité. Merde. Parce que faut que j'arrive à le brain, voilà. Ah nickel. Petite réserve d'énergie en plus là. Je commence à être pas mal hein. Est-ce que ça les tue ça? Regardez. Non. A priori non. Ah si, ils sont morts. Ah ah. C'est malin. Si, ouais. C'est chaud, hein. Et c'est parti. Et c'est parti pour la sauvegarde. Tout, 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 tout. Bon bah faudra voir comment je redescends. Je redescends dans les mines de Phazon. Et je crois que j'ai qu'un seul endroit pour les mines de Phazon. Ah non, parce que j'ai débloqué un truc. J'avais pas débloqué un truc. Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Il me semble que j'ai débloqué un autre ascenseur. Mais je suis pas sûr. Bref. Nous verrons ça la prochaine fois, YouTube. Des bisous.